Bien, je crois qu'il n'y a plus qu'à se taire maintenant. Oui, exactement. Bonjour Simon Berger, Bonjour. je vous présente Manami Alagouchi. Bravo et merci. Cette pièce, cette musique, Prélude et fugue en sol mineur, BUX WV 163. BUX WV, c'est un classement de référence pour le compositeur Dietrich Buxtehude. Cette musique résonne encore en moi au moment où je vous parle, me ramène par le même geste au cœur de votre roman, Laisse aller ton serviteur, aux éditions José Corti. Ce livre, vous l'avez écrit à partir d'un simple fait, un fait historique, hypothétique, mais historique. Ce fait, on pourrait le résumer ainsi. En fait, le jeune Jean-Sébastien Bach, alors âgé de 20 ans, né en 1705, décide de parcourir l'équivalent de 400 km à pied en plein hiver pour aller retrouver un maître, un grand maître, un maître compositeur, un maître organiste, précisément Dietrich Buxtehude. Alors, ce fait, cette sorte de pèlerinage en quelque sorte, mais ce pèlerinage particulier, il vous a parlé, vous, profondément, suffisamment profondément, en tous les cas, pour vous obliger, d'une certaine façon, en tout cas, pour vous donner l'envie d'écrire et de partager. Oui, j'ai appris cette anecdote. Est-ce que le terme anecdote est approprié dans un geste, pour un geste qui est si peu anecdotique? Presque par hasard, je devais avoir 15-16 ans. J'ai eu la chance d'avoir une formation musicale et je suivais des cours d'histoire de la musique. Et notre professeur nous parle de Buxtehude. Et un peu comme pour nous appâter face à ce nom qui est connu plus des connaisseurs que des mélomanes amateurs, entre guillemets. Et en tout cas, très, très, plus particulièrement connu des organistes, des claveciniste. Oui, non, aujourd'hui, pour accéder à Buxtehude, il faut un festival de littérature. Oui, voilà, exactement, exactement. Et donc le professeur nous dit, comme pour nous prouver l'importance et la qualité de Buxtehude, nous dit donc que le jeune Jean-Sébastien Bach a parcouru, donc à l'âge de 20 ans, ces 400 km que vous avez rappelés. Et quand j'ai appris ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais enfin, c'est déjà un roman. Cette chose-là doit être développée, il faut creuser. Et il se trouve que, comme vous l'avez rappelé, c'est un fait historique et en même temps hypothétique, c'est-à-dire qu'on sait que le jeune Bach s'est absenté pendant 3 mois, mais certains ont dit que c'était pour rencontrer Buxtehude, mais la certitude, disons, on va dire que la certitude est quasi certaine, mais il y a encore quelques doutes et il y a encore quelques historiens ou musicologues pour dire que ça ne s'est pas passé. Et moi, je trouve que ça se soit passé ou non, c'est le geste, l'idée même de ce geste est absolument magnifique. Et en effet, je trouve qu'il ne faut pas laisser passer ça. Et donc, vous ne l'avez pas laissé Et je ne passer. l'ai pas laissé passer. Mais voilà, après, c'est toujours la question, tant de, on va dire, tant de gestes à ne pas laisser passer. Exactement, Et ouais. celui-là, précisément, je veux dire que des faits comme ça, historiques, l'histoire en regorge justement des faits avec toute leur incertitude. Mais vous, précisément, vous dites, je crois, page 62, Bach, la possibilité même de Bach. Je vais pas vous faire l'affront de vous écorner. Alors, page 62. Bon, je m'en remettrai. Je le ferai, mais pas en votre présence. Alors, Bach, la possibilité même de Bach, est un sujet d'éveil inépuisable et béant. Bach est la cause principale de mes insomnies. Alors, certes, c'est une phrase issue d'un roman. Cela étant dit, il vous a quand même tenu en éveil, ce Bach. J'ai été démasqué. En effet, c'est bien moi qui parle. Oui. J'ai toujours eu un amour absolument immodéré pour Bach, que j'ai allègrement massacré en tant que violoniste dans mes années de conservatoire, mais j'espère qu'il ne m'en veut pas. Mais oui, en tant que mélomane, moi je trouve que c'est le continent absolu, qu'il a écrit pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les instruments, dans tous les genres. Il y a une espèce de. C'est un univers, quoi. C'est un univers à lui tout seul. Et
Et on a tendance à voir dans ces univers que sont les génies des sortes de planètes isolées, de systèmes solaires à eux tout seuls, sans voir qu'il y a d'autres choses qui gravitent autour d'eux et qu'ils ont eux-mêmes une filiation. Et donc, savoir que ce Buxtehude avait pu compter dans le parcours du génie Barr et que ce Buxtehude avait même pu peut-être participer à la création, à la co-création du génie de Barr, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire C'était peut-être un peu décomposer le mythe, le ramener à une dimension humaine. Alors, sans forcément aller là, parce que, alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que le génie, on a trop souvent tendance à penser qu'il est supra-humain, qu'il est... Non, il est extrêmement humain, et c'est ça qui fait justement qu'il est presque incompréhensible pour nous, c'est que c'est quand même un être de chair. Et me dire que cet être de chair a fait ce qu'il a fait, donc a été le Barr qu'on connaît, et qu'en plus, il est allé marcher en plein hiver pour aller se trouver un maître, presque s'inventer un maître, dans la personne de Buxtehude, qui en plus est un immense compositeur, comme on a pu l'entendre, c'est quand même une qualité d'écriture qui est phénoménale, et ce, dans tous les domaines, que ce soit pour le clavecin, l'orgue ou la musique sacrée. Je me suis dit, on a quand même une rencontre de deux chairs comme ça au début du XVIIIe siècle qui font, qui, d'une certaine manière, on assiste à presque le geste d'un passeur, de ce vieux maître qui va faire ou dire quelque chose à ce Barr qui deviendra le Jean-Sébastien qu'on connaît maintenant. Ça, j'ai trouvé que c'était absolument inépuisable comme geste et comme fait. Effectivement, et il y a cette rencontre dont vous parlez, mais cette rencontre, justement, on l'attend, vous la faites attendre, elle arrive plutôt vers la fin du roman. Et ce qui semble justement aussi vous intéresser, peut-être pas plus, mais au moins autant que cette question-là, c'est presque la dimension de la quête identitaire de Bach et qui a finalement, pour se trouver, besoin justement d'un maître, d'où aussi le titre, Laisse aller ton serviteur, serviteur, maître et serviteur. Voilà, il y a une relation en tout cas que vous questionnez dans ce roman. Et alors justement, qu'est-ce qui vient résonner, qu'est-ce qui vient résonner pour vous dans cette question-là? Ça rejoint ce qu'on a dit, cette idée d'une forme de généalogie intime des créateurs, de lien ininterrompu, où même le créateur le plus original sait se faire le disciple d'un maître qui en plus qu'il va se choisir. C'est-à-dire que il est dans sa, j'allais dire paroisse, mais on est quand même chez les luthériens, mais est-ce que le terme est approprié? J'en sais rien, mais en tout cas, il est à Arnstadt, où il est, on peut le dire, organiste pour des fidèles, un petit peu dans une ambiance bien-pensante, une forme de bien-pensance, à la fois les autorités et les fidèles aiment qu'il soit une sorte d'organiste discret qui vient un petit peu plus adoucir la parole de Dieu que vraiment l'imposer dans toute la majesté et la force de l'orgue. Et cette espèce d'électron libre qui est Barr va comme ça, sur presque un coup de tête, décider qu'il allait passer officiellement un mois, en tout cas c'était prévu pour être un mois, à Lübeck pour rencontrer Buxtehude. Il y reste 3 mois, il se fait copieusement avoiner à son retour. Tout ça est vrai. On sait qu'il y a eu dans la vie de Barr un trou de 3 mois. Il n'était pas à Arnstadt et il s'est fait réprimander parce que son style avait changé, parce qu'on trouvait qu'il prenait trop de place à la tribune, parce que ses improvisations étaient trop trop hardies, les modulations étaient trop loin du ton principal. Enfin, il y avait des choses qui dérangeaient, vraiment dans toute la force du terme dérangé. Et on a fini par le muter, exactement comme un fonctionnaire récalcitrant. Et alors moi, je me suis dit, bon, qu'il y ait eu un tel tonnerre dans la vie de Barr, un tel ouragan, et qu'en plus, ce soit lui qui soit allé chercher lui-même cet ouragan pour en être la victime consentante, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'absolument fondamental. Oui. Alors vous dites victime consentante, c'est un peu comme servitude volontaire. Exactement, Voilà. oui.
des vastes questions, mais des questions profondes, d'autant plus profondes dès lors qu'il s'agit de Bach, que quand on parle de servitude, bien sûr, il y a la question du maître que vous creusez ici avec Buxtehude. Derrière le maître, il y a bien sûr la musique, au service de la musique, le don de soi, le donner sa vie à la musique et donner sa vie à la musique sacrée, c'est-à-dire que derrière la musique, il y a bien sûr Dieu. Autant dire que ces questions, à la fois identitaires et tournées vers un autre, sont extrêmement profondes, extrêmement complexes. Déjà, en plus, quand il s'agit d'un autre que soi. Et vous avez... Ce sont des questions que vous auriez pu creuser par le biais de la philosophie. Au moment de la sortie de ce livre, vous étiez, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, étudiant en philosophie à l'École normale supérieure. C'est toujours le cas. Vous auriez pu donc aborder toutes ces questions très profondes, très complexes, de la psyché humaine, de la construction de soi, du rapport à l'autre, par ce biais-là. Et pourtant, il vous a semblé peut-être... Je ne sais pas si c'est plus naturel, mais en tout cas, vous avez choisi le roman pour creuser cette question et pour y passer votre temps. En effet, il me semble que c'est ce qu'on disait presque en commençant, que ce qui compte, notamment dans une histoire comme ça, c'est la chair. Et c'est même l'incarnation. C'est-à-dire que, certes, on est en présence d'un thème inépuisable et à peu près universel, c'est-à-dire... la transmission, la construction d'une identité artistique, le rapport au sacré, la notion de service, tout ça, en effet, sont des choses qui valent en tout temps et en tout lieu. Mais comme vous le rappeliez, ce qui est intéressant là, c'est aussi cette chair particulière qu'est le jeune Jean-Sébastien Bach et cette autre chair, cette vieille chair qui est au nord de l'Allemagne, qui est la chair de Buxtehude. Et non pas que la philosophie soit nécessairement une discipline désincarnée, bien au contraire, mais le roman a cette force que n'a sans doute pas l'essai philosophique, dont d'ailleurs je me sentirais, je crois, absolument incapable, mais le roman a cette force qui est de mettre immédiatement en présence d'une chair, ou de plusieurs chairs, et de tout de suite, comment dire, susciter cette incarnation qui, à mon avis, est nécessaire, c'est-à-dire que pour mettre en jeu des notions universelles, telles que celles que vous avez rappelées, rien ne vaut sans doute le passage par la chair particulière, malgré tout. Et l'universel ne se pense pas déconnecté de cette chair et de l'individu, et ce qui m'intéresse, et ce qui, je crois, est la grande force du roman en général, hein, bien sûr, c'est précisément ça, c'est d'être projeté dans l'arène des chairs et de voir ce qui d'une chair se dégage d'universel. Je crois vraiment que c'est ce qui a fait que, pour moi, le roman s'est imposé tout de suite, cette forme-là. Quel que soit le rapport à la réalité, je veux dire, parce que là, justement, on creuse une histoire où volontairement, c'est un jeu, il y a quelque chose aussi d'aller malicieux, c'est à la fois... En tout cas, je veux dire, cette idée d'aller reconstruire la jeunesse de Bach, cette idée-là, excusez-moi, je perds du monde idée première. Alors, voilà, le fil de cette idée Bach, c'était par rapport... On parlait de l'universel et du particulier ? Peut-être. Oui, c'est ça. C'est excusez-moi. Ça. Non, non. C'est ça, c'est ce rapport à la fiction, parce que vous étiez justement dans la vérité de la chair, de l'homme, on en revient là. Et vous dites quelque part, je crois, ce récit est peut-être vrai, peut-être faux, il est vrai et faux, comme un chemin de croix. Et il y a quelque chose comme ça que vous creusez presque comme si la fiction, le fait donc à l'invention, donc à la fois c'est la réalité, c'est l'histoire, mais il s'agit de prendre un pan d'histoire dont, justement, on ne sait rien. Et là, vous pensez pouvoir plus creuser, justement, une forme, finalement, de vérité qui serait la vérité humaine. Oui, le fait que cette histoire soit, sinon absolument inventée, du moins très peu documentée, permettait un espace de liberté, un espace d'invention, comme vous l'avez dit. En plus, j'aime beaucoup ce terme, puisqu'il est musical. Et pouvait affranchir le traitement romanesque de ce
de ce que j'appellerais l'exactitude, pour distinguer de la vérité, l'exactitude historique, du document, de la preuve. Ici, le caractère un petit peu tangent de la certitude et de l'exactitude historique m'a permis de... Bon, déjà, c'est bien pratique. C'est bien pratique. Mais... et m'a permis d'essayer d'extraire de ce peu d'histoire ce qui en moi résonnait, ce qui pour moi était la vérité de cette histoire, qu'elle soit réelle ou fausse. Disons que la réalité m'importait peu tant que cette histoire avait une sorte de vérité. C'est pour ça que je compare ça dans ce que vous avez cité au chemin de croix, parce qu'après tout, le chemin de croix, c'est une manière très schématique de voir la passion. On découpe en 14 stations, on dit, bon, là, il s'est passé ceci, ceci, tout ça est extrêmement symbolique, et finalement, que ce soit la réalité, que ce soit le bon ordre, que ce soit la chronologie, qu'il y ait des documents ou non qui l'attestent, finalement, peu importe, ce qui compte, c'est la vérité qui se dégage de ça. Et pour moi, c'était un petit peu analogue, c'était une forme de... Finalement, c'était la vérité de la fable aussi, c'était ce qui reste une fois que l'historien a décortiqué. Et là, évidemment, là où c'était pratique pour le traitement romanesque, c'est que le décortiquage historique n'était pas est déjà assez malhabile par rapport à cet épisode. Oui, et puis il y a une part de fantasme aussi de se glisser dans cette histoire-là. Complètement, d'être une petite souris qui suit Barre sur 400 km, oui, c'est un rêve. C'est ça, et en plus pour arriver pas n'importe où, c'est-à-dire qu'il arrive dans les fameuses Abendmusiken, justement à ce moment-là. Peut-être vous pouvez nous rappeler exactement ce qu'étaient ces fameuses Abendmusiken. Oui, oui, alors si je parle sous votre contrôle, hein, mais c'était des soirées musicales qui, je crois, se tenaient particulièrement durant le temps de l'Avent, peut-être aussi avant Pâques. En tout cas, c'était lié aux grandes fêtes chrétiennes. Je crois que c'est le prédécesseur de Buxtehude, qui était Franz Thunder, si je ne dis pas de bêtises, qui a initié cette tradition, reprise et développée par Buxtehude, de musique du soir, donc Abendmusiken, qui se jouait dans l'église Sainte-Marie de Lübeck, et qui était une forme de concert spirituel pour les fidèles. Voilà, qui avait lieu donc tous les dimanches de l'Avent. Tous les dimanches, justement, donc, comme une sorte de mini festival en fait. Exactement. Et donc voilà, et donc il y a cette rencontre que vous imaginez, Bach justement arrivant dans ces fameuses Abendmusiken, où en plus justement c'était des occasions en même temps pour Buxtehude d'aller creuser un petit peu au-delà des obligations liturgiques, justement. Exactement. De développer un champ de composition beaucoup plus large. On peut imaginer effectivement que ça ait pu alimenter tous les fantasmes même de Bach, et que quand il revenait, c'est une petite anecdote, là je vous le dis parce que c'est pas de la mienne, c'est Madame, il m'en parlait juste avant, mais je vais la laisser se concentrer tout à l'heure, va bientôt, mais Madame me disait que justement, vous savez que Jean-Sébastien Bach a été très questionné par la question de tempérament musical. Oui. L'accord, c'est à lui qu'on doit justement la question du clavier bien tempéré. Or, il y a un accord particulier justement qui était utilisé à Lübeck, l'accord de le tempérament de Lübeck, de Werkmeister, je crois, c'est ça. Et donc voilà, et que Jean-Sébastien Bach, en fait, ayant justement assisté à ces fameuses Abendmusiken, a été totalement fasciné par cette façon d'accorder ces instruments qui donnaient une tonalité toute particulière. Et sachez qu'aujourd'hui, justement, Mamie a tenu à accorder le clavier selon le tempérament utilisé justement à cette époque-là par Buxtehude. Je vous propose maintenant peut-être d'entendre comme la réponse un peu du serviteur au maître. C'est bien légitime et on en profite. Un prélude et fugue en la mineur de Jean-Sébastien Bach. Thank you.
Merci beaucoup, mon ami. J'en ai honte de parler, hein. Oui, oui. Mais alors justement, il y a un lien par rapport au fait même de parler. J'écoutais le phrasé de Manami, et j'écoutais le phrasé de Manami interpréter le phrasé de Bach, et je pensais au vôtre de phrasé, je parle de votre phrasé littéraire, où vous interprétez à votre façon, justement, Bach, je veux dire. On dit souvent, les auteurs nous expliquent qu'ils trouvent leur voix, je parle leur voix littéraire, une voix évidemment relative au sujet. Évidemment, c'est une question qui peut se poser dès lors qu'il s'agit d'un premier roman. Je me souviens bien de ce phrasé élégant, souvent profond, souvent malicieux, comme je le disais. Et je ne pouvais pas savoir si cette malice et cette profondeur étaient celles que vous inspirez Bach ou si c'était tout simplement la vôtre. Alors, je ne vais pas vous le demander, parce que ça fait partie justement des mystères et de ce qu'on ne sait pas, qui justement, ça c'est notre plaisir de lecteur, de ne pas savoir et de s'imaginer. Mais en même temps, c'est une question, dès lors qu'on aborde justement le second roman, le deuxième plus exactement roman d'un romancier. Or, je viens de voir il y a quelques jours tout juste que nous n'avions pas encore eu le temps de célébrer avec vous ce premier roman, que déjà il y a un heureux événement, vous en sortez un deuxième, aux éditions Gallimard, sous le titre Joseph. Jacob. Veuillez m'excuser, on reste dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas encore lu. On reste dans l'Ancien Testament. Mais oui. Il y a un Joseph dedans, ouais. Remarquez. Ah, d'accord, peut-être. Bon, enfin, non, veuillez m'excuser. Oui, non, d'accord, non, Jacob. Non, mais je me demandais justement, par rapport à cette question de style, parce qu'on a parlé du sujet, on a parlé du personnage, il y a cette question de style. Et je me demandais justement si cette question avait évolué, c'est-à-dire que, en fait, on va parler un peu du deuxième roman, s'adressant au lecteur du premier. Vous êtes invité pour le premier roman, et bien sûr que je ne vais pas passer sous silence ce deuxième, il s'agit de le célébrer également. Simplement, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont lu ou qui vont lire ce premier roman, et peut-être qu'on pourrait essayer de voir justement dans cette... Est-ce qu'ils vont y retrouver un peu un autre style, ou est-ce que vous avez cherché une autre voie littéraire? Et deuxièmement, deuxième question, parce que ça c'est la question toujours très intéressante dès lors qu'il s'agit d'un deuxième roman, est-ce que vous commencez à voir se dessiner une ligne artistique dans votre propre travail, des figures récurrentes, ou est-ce qu'au contraire vous êtes allé voir ailleurs, voir si vous y étiez aussi? Vaste question, et pour une large part c'est difficile d'y répondre soi-même, sans doute que les lecteurs sont plus à même de voir aussi ces choses-là, même si évidemment le travail du style est sans doute la partie la plus consciente de l'écriture. Le sujet de La salle et ton serviteur, comment dire, m'a permis de faire ce que j'aime, c'est-à-dire d'essayer de faire de la musique avant tout, et de reproduire autant que faire se peut dans l'écriture ce que la musique provoque en moi et ce que j'aime dans la musique et ce que j'aime chez certains écrivains qui ont ce sens musicien. Et c'est-à-dire que moi, je crains absolument pas les répétitions, les effets de répétition, les verres blancs, certains effets qu'on semble parfois labelliser un peu vite poésie. J'aime bien quand ce langage dit poétique fait des irruptions fait irruption dans le roman, même par effraction. Et j'aime bien cette idée de... Oui, il y a plusieurs niveaux de langage, en fait, qui viennent... Oui, aussi, il y a plusieurs voix. Même plusieurs focales, vous-même, vous ne placez pas au même endroit. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, on vient d'entendre une fugue, et ce qui est fascinant dans la fugue, c'est le traitement du sujet, le traitement du thème. C'est qu'on l'entend toujours, on sait toujours ce qu'on entend. Globalement, les éléments thématiques sont très identifiés, très rapidement repérés. Mais en même temps, chaque fois qu'on l'entend, ce sera toujours autrement. Ce sera toujours la même chose, mais pas la même chose. On va l'accompagner autrement, on va l'entendre dans une autre tonalité, on va entendre simplement une partie. Et il y a cette espèce de malice du jeu musical qui fait que une répétition n'est jamais vraiment une répétition, et la deuxième fois est aussi une première fois, etc. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'aime bien l'idée que le lecteur retrouve 20 ou 30 pages plus loin quelque chose qu'il avait déjà lu
mais sous une autre forme ou dans un autre contexte, qu'il éclaire autrement. Et j'aime, en ça, je trouve que la fugue est absolument fascinante parce que elle montre que avec une certaine économie de moyens, du moins de moyens thématiques, parce que les moyens contrapuntiques sont loin d'être économes, mais on peut arriver à tresser comme ça tout un discours musical qui vient fleurir autour d'un ou de deux éléments. Et je pense que j'ai essayé quand même de faire la même chose dans le deuxième, même si on est loin de la musique. Enfin, est-ce qu'on est loin de la musique? En tout cas, dans le thème, on est loin de la musique. J'espère que dans l'écriture, on est encore dans de la musique. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Moi, j'aime les écritures musiciennes et j'essaie de travailler à avoir une écriture C'est-à-dire que musicienne. s'il y a un lien à trouver dans une trajectoire qui vous mènerait de votre premier au deuxième, c'est plutôt la question du style justement que vous recreusez à partir d'un autre support, d'un autre sujet. Oui, pour une large part, pour moi, c'est vraiment fondamental. Ça a déjà été dit, hein, mais le sujet, pour moi, n'est vraiment rien. C'est le traitement et le style qui compte. Après, je pense que dans le sujet, on retrouve aussi des choses. On retrouve des obsessions, des hantises. Hein, ça, on ne se refait pas. Et je n'ai pas encore entamé de psychanalyse pour en parler. Mais oui, il y a des obsessions. Toujours cette idée d'une forme de transmission, d'un destin, la présence de Dieu, la présence d'une forme de transcendance plus ou moins heureuse plane toujours. Oui. D'accord. Ça. Tant que je n'ai pas exorcisé mes démons, je les ferai toujours ressortir. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de les exorciser le plus tard possible. Bah, c'est très gentil. Peut-être, je ne vous ai pas présenté Christine Lechat, qui est là-bas, qui est restée dans l'ombre et qui est en fait chargée de recueillir pour nous des questions, les éventuelles questions. Oui, il y a une question. On sent votre passion pour Bach dans chaque pas. Avez-vous d'autres inspirations musicales au point d'endosser dans un prochain roman la personnalité d'un autre compositeur? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Oui, ça voudrait dire que j'ai vraiment un plan de carrière quand même avec tous ces compositeurs. En tout cas, bon, moi évidemment, mais je vais même dire, mes premières amours sont musicales. Enfin, comme je vous le disais, j'ai été élève dans un conservatoire, mais ma première rencontre avec le beau, elle est musicale vraiment, et mes premières émotions sont musicales. Donc, c'est pas tout à fait étonnant si j'aime les auteurs aussi qui font de la musique avec les mots et qui vraiment ont des styles absolument musiciens et musicaux. Pour ce qui est des compositeurs, j'en aime sacrément d'autres, mais est-ce que j'irai jusqu'à leur faire subir l'affront d'un autre roman? On verra. On verra. Et puis la question, parce que vous, évidemment, aller chez un compositeur en plus de l'époque baroque, c'est quelqu'un qui pourrait sembler vraiment très très loin de vous. On pourrait imaginer de rechercher des personnages plus proches, même d'un point de vue plus contemporain peut-être. Alors sans parler de compositeurs, justement des personnages. Je ne sais pas si dans le deuxième roman, l'histoire se situe à une époque plus contemporaine. On est un peu plus proche, mais on est dans les années 20-30. On n'est pas encore. On s'approche de nous, mais on n'y est pas encore. Mais ce qui était intéressant, justement, dans la distance par rapport à Bach, c'était précisément cette distance de Bien sûr. 300 ans qui permettait de dramatiser un peu cet intervalle et d'essayer de voir comment dire ce qui est passé dans le sens le plus absolu du passé, ce qui est vraiment absolument mort à notre monde et comment nous, en 2020-2021, comment dire ces choses, comment écrire le passé au passé. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait. Mais les autres compositeurs, je Bah, les dans la mesure où ils écoute. sont tout aussi lointains, voire même peut-être encore plus lointains pour vous, s'ils n'ont pas le même affect, ça reste un champ justement de travail absolument intarissable. Voilà. Exactement. Oui. Et un champ d'écoute aussi, évidemment. D'autres questions peut-être, Christine? Non? Eh bien, écoutez, donc simplement pour résumer, donc là nous avons Laisse aller ton serviteur aux éditions José Corti. Et donc, on rappelle également la sortie là, qui vient tout juste de se faire aux éditions Gallimard de Jacob, et non pas Joseph. Et donc, il me reste à vous remercier pour votre Merci à présence, vous pour ces mots surtout. partagés. Merci beaucoup, Évidemment, un grand beaucoup à merci. Manami et à Nagashi. Évidemment.
Et au théâtre pour leur accueil. Bande continuité pour ce festival. Oui. Merci.